À la famille, dans cette vidéo, on va tester une dinguerie. Vous connaissez tous les postes à coche Louis Vuitton, le marché de Clignancourt, là, ils vendent des fausses paires de Nike, ils vendent que du faux, etc. Enfin voilà, vous connaissez tous les faux trucs. Et bah, dans cette vidéo, on va tester de la fausse viande. Je savais même pas si ça existait, Ray. Enfin, vraiment, c'est un truc de ouf, de la fausse viande. C'est une dinguerie. Donc là, dans cette vidéo, je vais me faire livrer de la fausse viande que je vais aller chercher juste à côté, là. C'est un truc de malade. Yo, la famille, c'est le Rocket92. J'espère que vous allez tous très bien, la famille. En tout cas, pour ma part, ça va super. Donc aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Parce que dans cette vidéo, la famille, comme vous l'avez vu au titre, on va tester un fast food qui font des burgers, des nuggets, de tout. T'as vu, ils font tout comme les restaurants du quartier, mais avec de la fausse viande. T'as capté, c'est-à-dire que tu manges, c'est pas de la viande. Non, c'est du vegan. On appelle ça du vegan. Genre, c'est des burgers vegan, mon pote. Il y a zéro produit animaux. Enfin, vraiment, c'est une dinguerie. Et l'enseigne qui fait ça, eh bien, c'est quoi? C'est Végédal, la famille. Ils ont un petit Instagram. Et en gros, regardez, ils proposent des burgers qu'on trouve dans tous les quartiers. T'as capté, regardez, on voit aux photos. Mais version végétarien. Enfin, version vegan, pardon. C'est-à-dire, il y a zéro produit animal dedans. Par exemple, là, ils disent, vous avez mordu à l'hameçon parce que ceci n'est pas du poisson. Enfin, vraiment, ils font des filo-fish, mais c'est pas du poisson, t'as vu. Et carrément, la famille, c'est des clashers. Hein. Ils ont mis le burger de Burger King là. Là, ils ont mis une tuerie animale parce que le burger de Burger King, il y a vraiment de la viande dedans. Et là, ils ont mis leur burger à eux, une tuerie tout court parce que voilà, il y a zéro produit animal dedans. Enfin, vraiment, j'ai hâte de tester ça. On va voir si vraiment ça le goûte la viande ou pas, alors qu'il y en a pas. Enfin, vraiment, c'est une exclu que je teste en vidéo. Donc, maximum de likes. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais on va tester ça tout simplement. Donc là, je vais me faire livrer. Je vais chercher la livraison. Elle est juste à côté et on se retrouve directement pour taper ça. Donc, ils vont mettre presque toute la carte. Ils vont mettre grave des burgers, etc. On va tester ça dans cette vidéo. C'est maintenant, les amis. On se retrouve dès que j'ai les sacs à ton souhait. Donc, du coup, la famille, je suis parti récupérer la commande. Donc un grand merci à Végédal. Donc là, il y a toutes leurs cartes dedans, les gars. Donc vraiment, c'est incroyable cette vidéo. C'est de l'exclusivité. C'est la première fois que je vais goûter des burgers comme s'il y avait de la vraie viande, sauf que c'est vegan. Il y a zéro produit animaux dedans. Enfin, vraiment, ça va être une dégustation exceptionnelle. On va voir vraiment si ça a vraiment le goût comme s'il y avait de la viande. Parce que moi, vous connaissez, je suis un grand cannibale. Je mange beaucoup de viande et tout. Genre, je suis un cannibale. Enfin, je sais pas comment on dit. Et on va voir tout simplement s'ils arrivent bien à reproduire le goût de la viande. Je sais même pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous dis la vérité. Il m'a dit, il m'a commandé toute la carte. Donc là, il y a végétal, etc. C'est parti, les amis. Ok, là, j'ai ouvert le paquet des desserts. Donc, ils m'ont mis tous leurs desserts. Donc, dans le sac des desserts, déjà, on a un muffin. On a des cookies, une petite glace. Ils m'ont mis bien, ils m'ont mis tous les desserts. Et ils m'ont mis trois sauces. Maintenant, c'est là où il y a la carte, où il y a la bouffe un peu. Allez, on va ouvrir ça. Mais ça sent la viande, je vous jure. On dirait, genre, ça sent le grec. Enfin, je sais pas, ça sent la viande alors qu'il n'y a pas de viande. Il y a zéro produit animal dedans. Ça me stresse. Donc, regardez un burger. Des burgers, 3 burgers, 4 burgers, 5 burgers, 6 burgers et tout ça, zéro produit animal. Il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de vaches dedans, il n'y a pas de tigre, il n'y a pas de chameau, il n'y a vraiment rien. Je suis choqué les gars, alors que ça sent. On va déballer ça du coup un par un. Donc là déjà on a quoi? On a un burger qui s'appelle le Versmoke. Donc c'est un burger à base de bacon, cheddar et une espèce de tranche de steak. Déjà ça a l'aspect de vrai steak et de vrai bacon. Et même le cheddar, hein, il n'y a pas de fromage dedans, il y a zéro produit animal. Vous avez compris, enfin animaux, je sais pas comment on dit, mais bref. Après on va déballer un autre burger. Donc celui-là c'est le fish, c'est le poisson pané celui-là. Donc c'est pas du poisson pané aussi, mais ça sent le poisson pané. Enfin c'est, je sais pas, je trouve ça bizarre. Là je vais grailler des burgers les gars, il y a zéro animaux dedans. Attendez, le poisson t'es là mon ref? Non non. Miaou, 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 y'a pas de chat, non. Enfin, vraiment, c'est trop bizarre. Donc, on va tous les ouvrir un par un. On va voir si ça a vraiment le même goût. Moi, je vais être honnête, hein. Si ça a pas le goût de viande, je vais vous le dire, hein. J'ai la vérité, t'as vu. Moi, je suis un cannibale, comme je vous l'ai dit. Et là, on déballe le dernier. Celui-là, par contre, il a l'air d'être gros, hein. On dirait un caillou, voilà. Ça, c'est les Big Mac. Ouais, c'est l'équivalent du Big Mac. Voilà, Big Mac vegan, zéro produit de viande dedans. Ah, il est là, il est là. Et aussi, la famille, il y a les petites nuggets. Donc, voilà, nuggets avec zéro poulet dedans. Là c'est une dingue, c'est bizarre de dire ça. Et regardez leur slogan, c'est quoi? C'est que vous ne verrez pas la différence. En gros, ils nous disent que voilà, vous allez pas voir la différence. C'est comme si il y aura de la viande pour vous, ça va être normal. Alors que pas du tout. Oh là là, on va tester ça les amis. Mais attendez, je vais quand même faire un test. Il y a du poulet? Il y a de la vache? Enfin, là, ils répondent pas, donc je pense vraiment qu'il y a zéro produit animal par contre. Donc la famille, on peut partir pour la dégustation. Et comme je vous dis, on va voir si on voit la diff ou pas, comme il y a écrit sur chez eux. Donc j'ai mis les burgers dans un plateau, j'ai mis les nuggets à côté dans une petite boîte. Donc moi, je vais être honnête avec vous, je vais dire s'ils ont bien réussi à mettre zéro produit viande en ayant le goût de la viande, tu vois. Donc dans un premier temps, on va déguster le burger fish un peu, donc au poisson pané. Sauf que c'est pas du poisson pané, comme je me dis, c'est une imitation. Enfin, on va voir déjà si ça a le goût de poisson pané. Donc on va voir celui-là s'il est bien fait. Donc le poisson pané, c'est parti, bismillah.
Franchement, le poisson pané, t'as vraiment l'impression que c'est du poisson pané. On dirait qu'ils sont en train de faire un fake. On dirait qu'ils m'ont pranké, les frères. Pour le poisson pané, ils ont trop bien fait ça, mais je le sais pas. On dirait vraiment du poisson pané. On dirait qu'ils ont mis du poisson dedans alors qu'il y a zéro produit animal. Il n'y a pas de poisson. Regardez, on dirait on voit la chair du poisson pané. Je vais taper une autre bouchée. Ah. Honnêtement, les poissons panés, ils sont forts, très bien faits. Je vous jure, j'ai l'impression de faire vraiment du poisson. Premier burger, l'imitation, elle est clairement bien faite. Après, on va goûter le Big Mac. Donc, le Big Mac version zéro produit viande. Donc, on dirait vraiment des steaks, etc. Mais en vrai, quand tu vois vraiment, on dirait vraiment du vrai steak. Et c'est pas du vrai fromage, ça. Enfin, pas du vrai fromage, mais il n'y a pas de lait, etc. Allez, on va goûter du coup la viande artificielle un peu qu'ils font. C'est parti, bismillah. Vous ne verrez pas la diff, on va savoir par le Big Mac maintenant. C'est parti. On sort de ça. Je vais être honnête, hein. T'as l'impression vraiment que tu manges de la viande. Alors que c'est pas de la viande. En vrai de vrai, pour les mecs qui sont végétariens, qui sont véganes, qui mangent pas de viande, etc. Si vous êtes en manque de viande, allez manger chez eux. C'est une dinguerie. J'ai l'impression vraiment ils m'ont mis de la viande. Alors qu'il n'y a pas de viande. Et là on va taper l'espèce de Whopper. Donc ça c'est le truc Burger King un peu, c'est parti. Il y a beaucoup de noix. Ils sont très forts. Très très forts dans l'imitation. Le Whopper, t'as l'impression de manger un steak. Et là on va taper le double cheesy. Voilà. Par contre, le double cheesy, on dirait vraiment un double cheesy que tu manges au quartier avec de la vraie viande. On dirait un vrai. Il y a de la viande ou pas, ma gueule? Vous jure, regardez. C'est pas de la viande, c'est trop bien fait. Je sais pas comment ils ont fait. Tu peux pranker des gens avec ça, tu dis tiens, frérot, c'est du steak. Il va dire bah ouais, c'est du steak. Bah non, c'est pas du steak. Ils sont très très forts. Juste en description. Et en gros, ils font que de la livraison. En gros, c'est des dark kitchen, c'est des cuisines. Ils peuvent te faire livrer quoi. Mais après, moi personnellement, je continuerai à manger de la vraie viande, tu vois. Parce que moi, je suis un cannibale. Je suis pas un vegan ou un végétarien, etc. Mais ça. Et là, on va goûter le truc qui m'intrigue le plus, les nuggets. Les nuggets, je sais pas comment ils vont faire pour reproduire le goût du poulet avec zéro viande. On va goûter. Oh non. C'est même plus bon que les vrais nuggets, ça. Je vous jure, c'est même plus bon que les vrais nuggets. Le poulet, t'es là? C'est une dinguerie. Même les vraies nuggets, elles sont pas plus bonnes que ça. Je suis choqué. Regardez, on dirait vraiment du poulet. Oh, ils sont trop forts, ma gueule. Ils sont dans le futur, ils sont trop loin, ma gueule. Ils sont en 2040. Ils m'ont même servi des onion rings. Ça, par contre, vas-y, les onion rings, c'est normal. T'as vu, c'est des vrais oignons. Hein. Ils sont bons. Là-bas. Limitation, very good. Pas de la douille, ils ont vraiment réussi à faire bien leur sujet. Ils ont maîtrisé le thème vraiment. Et là, on termine cette petite vidéo en tapant leur muffin. Ça, c'est du vrai chocolat. Pensez pas, ils vont tout faire artificiel non plus. C'est parti. Trop bon, trop bon. Du vrai chocolat avec des pépites à l'intérieur. C'est excellent. Après, il y a les cookies et la glace, mais voilà, on va pas tout grader. Là, je suis calé, les gars. Du coup, la famille, voilà pour cette vidéo où je teste du vegan. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça sur ma chaîne, mais franchement, j'étais étonné. Parce que vraiment, en fait, ça a le goût de viande. En fait, t'as l'impression de manger un burger du quartier d'à côté, tu vois, avec de la bonne viande. Et même, petite anecdote, j'ai fait tester à ma soeur, enfin, à ma famille, etc. Je leur ai pas dit que t'as vu c'était vegan, etc., qu'il y avait zéro produit animal dans les burgers. Et ils ont cru que c'était du vrai steak. Ils m'ont dit, ouais, arrête de te foutre de ma gueule, je vous jure, c'est une dingue. En tout cas, bah, moi, sur ce, la famille, bah, on va arrêter la vidéo à ce stade là parce qu'on a tout mangé, etc. Donc si vous avez kiffé, bah vous pouvez mettre le petit like, vous pouvez commenter, vous abonner, partager la vidéo, etc. Ça ferait super plaisir, voilà, comme ça on avance petit à petit en abonné. Et si vous êtes intéressé par ça, par ces burgers là avec zéro produit animal, etc., vous commandez sur Végédal tout simplement. De toute façon tout sera en description, etc. Franchement c'est pas mal, c'est de la frappe pour les gens qui veulent pas manger de viande en ayant le goût de la viande. T'as capté. Bref, en tout cas sur ce, nous la famille, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao.